Nous voilà aujourd'hui face à un instrument qui s'appelle une épinette. Et c'est un joli instrument issu du XVIIIe siècle, même plus ancien, qui est arrivé dans nos collections aujourd'hui à l'hôtel abbatial grâce à un don de monsieur et madame de Savignac qui souhaitait soutenir le musée. Cette épinette est construite en Allemagne en 1963 et lorsqu'on la voit aujourd'hui dans sa configuration, on ne peut pas imaginer l'histoire merveilleuse de cette épinette. Cette épinette joue. Je ne suis pas assez bon joueur et accordeur d'épinette, mais on en a un vrai son. Et il s'avérait que cet instrument avait surtout la particularité d'être vraiment daté 1963 en bois brut, élégant, avec un léger vernis, mais ne correspondait pas à l'aspect muséographique que nous souhaitions mettre en place au sein de l'hôtel abbatial. Avec accord de la famille de Savignac, nous avons pris la décision avec Flore Monsuy de l'atelier de Flore et Valérie Koenig pour une particularité qui est la proposition de gravure à l'ancienne de transformer cette épinette, en arte povera. L'épinette, pour sa petite histoire, est un instrument de musique proche du clavecin, petit instrument spinetta, inspiré des instruments à cordes au XVIIIe siècle. Mais il fallait lui donner une vraie allure. Donc nous avons travaillé sur le principe de l'arte povera. L'arte povera, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui va apparaître en Vénétie, à peu près au XVIIe siècle, qui va être à l'imitation des laques. Nous avons une très grande mode, le mobilier laqué, influencé par les provenances de Chine, qui sont des laques très très riches. Et il faut rendre accessible cet art élégant de la laque à une population un tout petit peu plus simple ou moins riche, voilà, dirons-nous. Et va naître cette technique du travail en arte povera. En arte povera, voilà ce que l'on a. Précise de toutes les petites gravures avec les mains, les doigts, les feuillages. Ces gravures ont été posées comme on le faisait au XVIIIe siècle sur l'épinette qui auparavant avait été relaquée dans une teinte légèrement crème, une pointe coquille d'œuf pour lui donner ce côté 18e. Une fois que la caisse est laquée, eh bien il y a un vrai travail maîtrisé de pose de décor. Donc, Flore et Valérie ont fait les premiers tests d'essai et Flore a eu cet énorme travail de découper des dizaines et des dizaines de gravures parce que lorsque vous regardez, par exemple, simplement cette frise qui est présentée sur le bord de l'épinette où vous avez quand même un léger revers, eh bien, il faut une vraie dextérité de pose. Et les frises ne sont que des petits morceaux juxtaposés de documents anciens. Donc, c'est un travail de découpe. Comme ici, la petite colonne en gaine qui est sur le porte-partition, eh bien ça, c'est un travail de découpe très délicat, comme le personnage, la mère et ses enfants. Et on a redonné, grâce à cette découpe, cette pose de gravure collée avec une colle au naturel sur la première couche de laque, eh bien, cet ensemble déjà homogène de gravure en noir et blanc sur fond coquille d'œuf. Pour continuer le travail de l'arte povera ne s'arrêtait pas simplement à la pose de gravure sur fond coloré, mais devait être aussi verni par plusieurs fois, ce qu'a fait Flore, comme on le fait à l'époque, ce qui supprime presque la sensation de relief des gravures posées. Et puis, pour donner une finition parfaite, il y a eu un aspect ciré, c'est-à-dire qu'il a fallu sur le vernis, légèrement préparer le vernis qui avait été posé, puis le cirer d'une cire incolore, après vieillissement malgré tout, des angles de l'épinette, de certaines parties du plateau, pour lui redonner une configuration plus 18e et plus issue du patrimoine. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, cette épinette a rejoint le salon ou la chambre des pères abbés à l'hôtel abbatial. Et cette épinette est jouable. Il ne nous reste plus qu'à la faire accorder
et nous pourrons donner des petits concerts improvisés de gens passionnés par simplement le clavier d'un panneau, ou le clavier d'un orgue, ou le clavier d'un clavecin ou d'une épinette, pourront à la demande s'exercer à jouer sur cet instrument de musique, aujourd'hui reconfiguré comme un instrument du XVIIIe siècle, au sein de l'hôtel abbatial, et nous avons pris par choix avec Flore Monsuy et la famille de Savignac le fait de laisser ce plateau dans la nature de départ de l'instrument, c'est-à-dire cette marqueterie de bois légèrement vernie, pour que l'on revoie le fabricant de cette épinette qui nous permet de vraiment la dater en 1963 en Allemagne à Passau.